Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, pour cette dernière semaine du mois de juin, nous sommes lundi 24 juin 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous terminons avec Parfum d'âme, ce bel oracle. Énergie de guérison. Et avant de commencer, petite philosophie du matin. Et aujourd'hui, cadeau. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Eh bien, avec l'oracle Parfum d'âme, j'ai pigé aujourd'hui être au four et au moulin. Vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Un jour à la fois, une chose à la fois. Ça, c'est le message. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Vous allez devoir, pour certains d'entre vous, prioriser vos tâches à faire. Vous allez devoir prioriser vos projets, vos idées de réalisation, vos objectifs. Car vouloir être partout à la fois et faire plusieurs choses en même temps, eh bien cela, ça va vous disperser et ça va vous faire perdre énormément d'énergie. Et c'est comme ça que ça entraînera une démotivation de votre part, car vous n'aurez pas de résultats positifs et ça ne sera pas à la hauteur de vos espérances parce que vous vous éparpillez. Vous allez d'un coin à l'autre. Vous voulez tout contrôler. Mais sachez que c'est pas une bonne idée. On vous invite donc à faire les choses, eh bien, allez, les plus importantes que vous pensez aujourd'hui. Et on vous demande de mettre de l'ordre pour pouvoir réaliser de façon sainement et surtout vous concentrer sur ce qui est le plus important dans un premier temps et continuer étape par étape et à votre rythme bien sûr, car une bonne organisation, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bénéfique. Et vous pourriez tout pouvoir faire si l'organisation était parfaite. Mais comme vous vous dispersez, c'est difficile. Alors aujourd'hui, quelle est votre priorité? Réfléchissez. Quelle est votre priorité? Dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine familial, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, est-ce que c'est le domaine sentimental, dans les amitiés, dans la famille? Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. On vous demande ici aussi de délester peut-être. Parce que comme vous voulez tout contrôler, bien non, il y a des choix à faire. C'est une chose à la fois. Et quand vous aurez terminé cette chose, eh bien, vous pourrez commencer une autre chose. Ou un projet, n'est-ce pas? Mais faire tout en même temps, vous n'allez pas avoir satisfaction. Malheureusement, vous n'allez pas avoir les résultats que vous escomptez.
et ça ne sera pas à la hauteur de vos espérances. Donc, vaut mieux privilégier ce qui est le plus important pour vous, étape par étape, une chose à la fois, et puis vous y arriverez. Travaillez aussi votre ancrage et la loi d'attraction, ça serait pas plus mal, n'est-ce pas? Allez, je termine avec l'énergie de guérison. Et aujourd'hui, j'ai pigé à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute. Et je découvre le chemin vers l'éternel. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi je vous dis à demain.